Marche silencieuse, sketch, animation publique ont marqué ces séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Gbablasso, situé à une dizaine de kilomètres de Biankouma, les femmes, les jeunes filles, soutenues par les hommes, ont donné de la voix pour dire non aux violences faites aux femmes. L'engagement des hommes est formel. On ne veut pas frapper les femmes, on ne veut pas frapper les enfants. Toutes les populations ont compris. À partir d'aujourd'hui, on n'aura pas fait ça. Plusieurs localités de l'Ouest ont reçu la visite de l'ONG internationale, IRC, initiatrice de ces séances de sensibilisation. Et partout, le message est le même. Mettre fin à toutes les formes de violence basées sur le genre. Au départ, c'était difficile parce que la question de la violence étant liée à la question du sexe, qui est un tabou dans nos communautés, c'était difficile, les femmes souffraient en silence. Mais de plus en plus, elles commencent à dénoncer, à parler, à briser le silence. Par ces manifestations, l'ONG internationale, l'IRC, veut débarrasser la Côte d'Ivoire de tous les cas de violence physique et sexuelle et permettre ainsi aux femmes et aux jeunes filles de participer à la reconstruction et à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.